Charles Zahir, c'est comment? Pas comme Nawa. Ami Zoukou. Nawa, c'est comment? Voisin du terminal. Au collège modèle CB. C'est comment Nawa? Dieu merci. C'est comment? On doit toujours remercier Dieu. On rend gloire à Dieu. Dieu merci. Un submersif souverain. C'est comme un bisou à Samoa. Comme si c'est genre. Michel T, c'est comment? T, ah c'est non, viré ça. T, T Mathieu, T Bartholomew. T Mathieu, instructeur commando, pathologie. T Bartholomew. Professeur de français en 6e au lycée William Ponty. Ambassadeur Sanoussi, c'est comment? Sanoussi. Ibra la chance, c'est comment? Maintenant, on va s'entretenir un peu avant que je puisse aller me reposer. Voilà. On doit toujours s'entretenir face à la qualité qui prévaut. Béraud béni de Dieu. Aïe. C'est le nom Dieu son nom. Dieu merci. Béni de Dieu. On ne comprend rien. Ils aiment Dieu. Alors, on aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Chantez entre vous là. On n'a pas un concert de gendarmes. On est juste là pour parler. Wellico, Léonce Odilon, Alliance Welcome Choquant. C'est comment mon fils? Bienvenue sur le direct de Onk Sam. Onk Sam. Papin Eden, c'est comment champion? Torres Nguessan, on dit quoi? Bon, on va dire deux noms, puis on va commencer. Voilà. 93 connecté, la vitesse de pointe. On n'est pas là pour faire du chiffre, on est juste là pour parler. Voilà.
Salut, salut, bonjour les gens, bonjour les gawa. Bon, les gawa, c'est pas que vous êtes les gawa, hein, voilà. C'est juste pour dire bonjour les gars. Donc, on allonge en même temps, bonjour les gawa. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo en ce jour du jeudi 31 octobre. Voilà. Pour vous entretenir, c'est comment Edith Denayan. Alors, elle aussi, elle a vu la vidéo, elle était là-bas aussi. Elle est allée voir à la conférence de presse d'Afinguessan. Voilà. Donc, elle disait ici, là, devant vous, parler de cette vidéo pour me prononcer et faire un commentaire sur la rencontre du président Afinguessan. Voilà, FPI, tendance Afinguessan, voilà, FPI. Avec certains cyberactivistes pour Gbagbo. Voilà. Juste venu poser mon commentaire parce que j'ai vu certains posts, certaines vidéos qui faisaient état de ce que ces cyberactivistes pour Gbagbo engagés ne devaient pas aller croiser Afinguessan pour s'enquérir de ces nouvelles. Voilà, donc c'est ça qui me pousse à venir faire cette vidéo. Parce que selon moi, voilà, les gens ils n'ont pas encore compris la politique. Voilà. On pense que la politique, c'est toujours rester dans la belligérance. Souvent on dit, on se dédie. Et moi, force est de constater que c'est un probabo. Ne sont pas dans l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, qu'il était encore aux commandes, même dans l'opposition, il a toujours prôné pour le dialogue. Le asseyons-nous et discutons. Voilà. Donc moi, je ne veux pas concevoir que certaines personnes qui se réclament de l'idéologie du président Laurent Gbagbo puissent se mettre en marge des discussions. Ouais, c'est aller contre l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Voilà. Il n'est pas venu faire une rétrospection de ce qui se passe au FPI. Nous sommes témoins de ce qui se passe au FPI. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI, il a eu deux tendances, à savoir la tendance d'Abdoulaye Sangaré et la tendance de Afi Nguessan, qui a dit qu'il était le président du FPI. Et aussi par ricochet, feu le président Abdoulaye Sangaré, qui a dit aussi qu'il était aussi le président du FPI. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, et en tant que Plougago, nous devions nous enquérir de ce qui se passe auprès de ces gens afin qu'ils nous donnent l'explication pourquoi il y a deux tendances au FPI. Un autre camp accepte le dialogue et un autre camp est dans le radicalisme. Ils disent, en leurs termes, circuler, il n'y a rien à voir. Je me rappelle bien, quand j'étais élément commanditaire, voilà, élément influent de la gang, voilà. Mon ex-ami avait organisé un forum afin de pouvoir s'imprégner de ce qui se passait au FPI. Par la suite, il a invité Jean Bonnet, le chargé de communication de M. Afi Nguessan, qui est venu s'expliquer. Et on voulait aussi avoir la version de ceux de Abdoulaye Sangaré qui ont catégoriquement refusé sous prétexte que ouais, eux ne pouvaient pas. Sous prétexte que. Eux, ils n'avaient pas de compte à rendre à quelqu'un. J'aimerais dire à ces gens-là, voilà. La politique de maintenant, c'est plus la politique de 2014 ou bien 2018 ou bien, je ne sais pas, 1915. Voilà. Nous sommes dans la modernisation. Donc, quand tu aspires à vouloir gouverner des gens, voilà, on ne doit pas entretenir l'ambiguïté au sein de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Il faut être ouvert au dialogue afin qu'on puisse s'abreuver de votre savoir.
Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas chez la tendance hein, Abdoulaye Sangaré, qui ont toujours refusé des discussions, soit qui ont toujours refusé d'expliquer ce qui se passe entre eux et Afi Nguessan. Mais par contre, Afi Nguessan, lui, il a envoyé son chargé de communication qui était Jean Bonnet, qui s'est expliqué sur la toile et on a vu ce qu'il a dit. Mais si vous vous dites démocrate et que vous aspirez à vouloir revenir aux commandes, diriger la Côte d'Ivoire, on ne doit pas entretenir l'ambiguïté. On doit être ouvert au dialogue. Il y a des gens qui se sont insurgés comme quoi, c'est un probable qui se sont insurgés comme quoi, il y a des cyberactivistes qui sont allés à la rencontre de Afi Nguessan, qui ne devaient pas le faire. Mais j'aimerais dire à ces cyberactivistes que la politique, ce n'est pas une monarchie. La politique, ce n'est pas une royauté. Et moi, je salue l'acte du président Afi Nguessan qui veut révolutionner la manière de faire la politique. Parce qu'avant, les chefs des partis politiques, ils étaient pris comme des dieux. C'est ce que la tendance actuellement à son Abdou, ils veulent faire comprendre qu'eux, ils sont des dieux. Voilà. Ils n'ont rien à dire aux gens. Circuler, il n'y a rien à voir. Ils n'expliquent pas aux gens. Mais quand on vous dit il y a les deux tendances et que vous parlez de réconciliation, mais essayez de vous réconcilier entre vous-même parce que on ne peut pas parler de réconciliation en rejetant certaines personnes. Moi, je pense que c'est aller contre l'idée de la réconciliation. Parce que si Afi estime que vous devez aller au dialogue pour trouver un consensus, c'est une main tendue. Il est mieux d'aller vers lui et de vous mettre sur un plateau de télé et afin de discuter pour nous informer. Mais un camp nous informe et d'autres camps, eux ne nous informent pas sous prétexte qu'eux, ils sont supérieurs. Mais je voulais vous dire, la politique a été révolutionnée. Il n'y a plus de supériorité. Voilà, un militant, un sympathisant a le droit de savoir le programme de gouvernement de son leader. Voilà, parce qu'on ne peut plus nous mener en bateau en nous disant non, circuler, il n'y a rien à voir. Non, s'il y a quelque chose à voir. Parce que quand ça commence, c'est nous, on s'en fout. Voilà. Parce que le monde est un peu bizarre. Sinon, en temps normal, un président, c'est l'employé du peuple. Et non le contraire. Le président est à la disposition du peuple. Ce n'est pas le peuple qui est à la disposition du président. Voilà. Mais moi, j'ai vu des gens s'insurger, dire comme quoi certains cyberactivistes probablement ne devaient pas aller rencontrer Afi Nguessan. Mais je voulais dire à ces gens-là que nous sommes en politique. Chacun est libre d'adhérer au parti qu'il veut. Moi, aujourd'hui, je peux dire ici pour Soro. Comme je peux dire ici Afidé, voilà, c'est mon droit le plus absolu. Ce n'est pas parce que je suis dans le camp d'Afi, quand on me dit que ce n'est pas Ivoirien. Ou ce n'est pas parce que je suis dans le camp de Soro, quand on me dit que ce n'est pas Ivoirien. Non, ça c'est zéro. Donc il faudrait qu'on sorte de ces clichés-là. Voilà. La politique, c'est le dialogue. Mais si vous voulez accepter de dialoguer avec les Soro, avec les Bédiers, mais pourquoi ne pas accepter de dialoguer avec celui-même qui était au sein de votre parti, de votre mouvance qui a eu à une époque à diriger la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que ça frise avec le radicalisme. Voilà. Michel T. Afi est en mission, il est mandaté. Que Afi soit en mission ou pas, pour savoir s'il est en mission ou pas, c'est selon ses dires, selon ses explications, que vous allez en déduire. Mais vous vous mettez dans une posture de radicalisme sous prétexte que Afi a fait ça, a fait ça. Mais nous, là, on était acteurs et témoins de cette crise. En aucun cas, on a vu Afi prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu Afi se coaliser avec la rébellion pour faire du mal aux Ivoiriens. Mais par contre, on a vu Bédier qui s'est rangé, même s'il était contraint, on a vu Bédier qui s'est rangé aux côtés des rebelles pour combattre les Ivoiriens. On a vu Bédier qui a osé dire même que Gbagbo était mieux à la CPI. Mais aujourd'hui, on a vu Gbagbo recevoir Bédier. Donc, nous, on pense qu'il y a du deux poids, deux mesures et c'est une ambiguïté. Voilà. On ne peut pas continuer à faire la politique avec la rancœur et avec la haine. Voilà. Moi, je ne peux jamais m'inscrire dans cette logique des radicalistes. Je vous ai toujours dit. Raison pour laquelle je dis, moi, je ne suis pas gore. Voilà. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas gore. Parce que moi, selon moi, être gore, ça frise avec le radicalisme. Voilà.
Sans des hommes, la Côte d'Ivoire ne peut plus avancer. Voilà. Oufoué est mort. L'homme même qui a créé la Côte d'Ivoire, qui a fabriqué la Côte d'Ivoire, qui a construit en Côte d'Ivoire, il est mort. Mais ça n'a pas empêché les gens de vivre. On a continué. Voici Yerobo qui est mort. Ses amis n'ont même pas fait une trêve de 2 mois pour dire on ne chante plus. Parce que notre icône est mort. On va essayer de se mettre en retrait et après avancer. Mais dès que Yerobo est mort, 2 mois après, 1 mois après, ils ont oublié. Ils ont commencé à faire vaquer à l'activité. Donc moi, quand on me dit, Gbagbo ou bien, moi je ne peux pas m'inscrire dans cette logique. Voilà. Parce que les hommes passent, la nation demeure. Et moi, je suis pour l'intérêt de la nation. Je ne suis pas pour l'intérêt d'une personne. Voilà. On peut ne pas s'aimer, mais on peut se mettre ensemble pour travailler, pour porter le pays loin. Moi, c'est dans cette dynamique que je m'inscris. Voilà. Donc, ceux qui ont dit oh, Black Modo, Sonaki, avec je ne sais pas qui, Baba Okosi, sont allés voir le président Afi pour s'enquérir des nouvelles, sont à blâmer. Mais moi, je dis non. Voilà. La politique, c'est le dialogue. Voilà. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et pour le savoir, il faudrait que ces deux tendances-là se mettent sur un plateau de télé pour déblatérer. Mais ce qui n'est pas le cas. Il y a une autre tendance qui se met en retrait sous prétexte qu'eux, ils sont supérieurs. Eux, ils ne sont pas ouverts. Mais ça ne marche plus, ça. En politique, il faut être ouvert avec les militants, avec les sympathisants. Mais on ne peut pas rester dans une posture de radicalisme pour dire non, qu'on ne discute pas avec eux sous prétexte que ouais, ils ont été traîtres. Mais il y a des gens qui étaient plus traîtres qu'eux. Voilà. Il y a des gens qui vous ont amené en prison. Il y a des gens qui ont signé pour qu'on puisse déporter votre mentor là-bas. Exemple, Bédier. On a vu Bédier être reçu avec Gbagbo. Bédier, Gbagbo a reçu Bédier. Mais pourquoi celui qui, à un moment, fut le secrétaire général et président de votre parti, vous refusez de dialoguer avec lui? Voilà. Certes, il y a eu des moments où il s'est mis avec, je ne sais pas, bon, c'est moi qui le dis, ouais, il s'est mis avec Draman. Bon, ça reste à vérifier. Voilà, parce que la politique, moi, selon moi, quand on se va en guerre, que tu veux combattre ton adversaire ou ton ennemi, il ne faut pas te mettre en retrait. Il faut toujours être avec lui pour ne pas être surpris. Voilà. Il faut suivre son ennemi ou son adversaire de près pour voir tout ce qu'il fait pour ne pas être surpris. Mais on peut pas prétendre aller au combat et se mettre en retrait, s'enfermer dans sa maison pour dire non, lui là, on va le combattre. Mais tu ne sais même pas, ils sont combien. Tu ne sais pas, ils ont quel type d'armement. Tu ne sais pas, ils ont quel type de logistique pour pouvoir le combattre. Voilà. S'inscrire dans cette logique, c'est être suicidaire. Parce que si tu ne connais pas l'armement de ton ennemi ou de ton adversaire, tu ne peux pas le combattre. Voilà. Tu prétends, tu te fais des idées. Non, ils sont deux. Sans renseignement, tu te fais des idées. Non, ils sont deux. Mais et si tu engages le combat, qu'ils sont 10, ton combat sera peine perdue. Donc moi, je pense qu'en politique, c'est le dialogue. Voilà. Si les cyberactivistes pour Gbagbo sont allés poser des questions à Fingessa. Moi, je pense que c'est à saluer parce que la politique est révolutionnée. Voilà. Les premiers partis politiques viennent au moins vers les sympathisants. Ils sont ouverts pour le dialogue. Et moi, je pense que ça doit être salutaire. Voilà. Mais il y a d'autres, on veut aller vers eux pour savoir ce qui se passe. Eux, par contre, ils disent ils n'ont pas d'explication à donner. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais si c'est circuler, il n'y a rien à voir, vous êtes appelés à nous gouverner. On ne va pas rester dans l'ambiguïté. Voilà. On ne va pas rester dans l'ambiguïté. Et j'aimerais vous dire ici. Jésus revient. Ouais, allô? Il te répond, s'il te plaît, il te répond. Il te répond, s'il te plaît. Je ne suis pas bloqué. Il te répond. Voilà. Comme le dit Bideli, le Nouchi, voilà. Quand tu veux aller au combat contre ton ennemi, sans enseignement, tu es perdu. Voilà. Donne-moi raison pour laquelle toutes les pages que les gens ont, qu'ils soient adversaires politiques, je like les pages pour voir ce qu'ils font, pour ne pas être surpris. Mais vous vous mettez en marche, vous mettez en retrait. Comment vous pouvez combattre votre ennemi? Alors, donc, moi, je pense que la politique, elle a été révolutionnée. Voilà, c'est le dialogue. Voilà. Celui qui veut s'inscrire dans les idéologies de Gbagbo, il doit accepter le dialogue. Parce que Gbagbo lui-même a dit, assions-nous et discutons. Il n'a pas dit non, restons en retrait pour marcher seulement. Non. Allez au contact de l'adversaire pour savoir ce qui se passe. Poser le débat.
Mais il y a d'autres qui sont là, il y a eu deux tendances au FPI. Il y a d'autres qui sont là pour s'expliquer, et d'autres par contre, eux, ce n'est pas là pour s'expliquer. Mais qu'est-ce que vous cachez? Non, on va se poser des questions. Parce qu'il y a un qui est ouvert pour le dialogue. Lui, il dit, venez, on va dialoguer. Par contre, il y a d'autres, eux, ils ne veulent pas. Ils sont trop rancuniers. Mais en politique, il n'y a pas de rancune. Voilà. S'il y a une rancune là, Gbagbo n'est pas recevoir Bédié. Donc, moi, raison pour laquelle il dit souvent, il y a certains pour Gbagbo qui disent qu'ils sont pour Gbagbo, mais ils ne sont pas pour Gbagbo. Ils sont pour Gbagbo, même dans la forme. Ils prennent tricot. Non, ici, pour Gbagbo. Mais au fond, ils ne sont pas pour Gbagbo. Sincèrement. Parce qu'on est pour Gbagbo dans l'âme et dans le corps. On doit suivre les idées de son mentor. Le mentor, c'est un gars qui n'a jamais été rancunier. Il est toujours ouvert au dialogue. Il est ouvert au dialogue. La preuve, on est. Bédié était au golf avec lui. Bédié était au golf. Mais il a reçu Bédié. Maintenant, pourquoi vous, les sympathisants, les militants, pourquoi vous ne voulez pas vous inscrire dans la logique du président Laurent Gbagbo qui stipule que, ouais, il faut tout s'asseoir avec l'adversaire pour discuter. Voilà. Mais quand tu te mets avec un autre camp, on dit non, tu es un traître. Hey, il n'y a pas l'homme qui est traître ici. Voilà, parce qu'un Ivoirien est libre de militer où il veut. Un Ivoirien est libre de militer où il veut. Moi, demain matin, je suis ici au RDN. Vous voulez me dire quoi? Voilà, le RDN, c'est un parti politique ivoirien. Il était créé par Denis Kobina. Moi, je peux me lever matin, je peux aller ici pour Soro. Je peux me lever matin, je peux aller ici pour PDCI. Ça a dérangé qui? Il n'y a pas un parti qui est plus mieux que son camarade. Ne dis pas, ah non, parce qu'on est pro Gbagbo. Nous, on est exempt de critiques. Et par contre, on doit toujours jeter le propre ou jeter le discrédit sur ceux qui ne sont pas avec vous. Non. Nous ne détenons le monopole de la politique, nous ne détenons le monopole de la science infuse. Voilà. Donc chacun est libre de choisir son camp. Voilà. Et la vie, c'est un combat. On doit toujours combattre. Mais vous mettez en retrait. On vous dit, venez dialoguer, vous ne voulez pas. Je me rappelle bien quand j'étais à la Jossigan. Voilà. Mon ami, là, il a ouvert une plateforme où il a dit, moi, il y a deux tendances au FPI. Voilà. Venez nous informer, nous qui sommes des profanes, là. Parce qu'on ne sait pas pourquoi vous battez. En temps normal, le FPI a été uni quand on le connaissait. Mais le FPI s'est divisé. Il y a eu tendance à Abdelmane Sangaré, il y a eu tendance à Fingissa. On dit, venez discuter pour nous informer. Vous ne voulez pas. Un autre camp a accepté, l'autre camp n'a pas accepté. Mais pourquoi? Mais quand on dit réconciliation, on se réconcilie avec les protagonistes. On ne se réconcilie pas avec soi-même. Si vous voulez vous réconcilier, mais ça va des personnes se réconcilier. On ne peut pas rester là, on ne peut pas rester dans ton corps pour dire non, on se réconcilie. Par contre, il y a des histoires entre vous. Voilà. Donc moi, je pense que voilà, cette manière de faire la politique, il faut la proscrire de votre comportement, il faut la proscrire, il faut la bannir. Voilà, parce que ça, c'est pas la politique. La politique, c'est le dialogue. C'est le action et discutons, comme l'avait prôné le président Laurent Gbagbo. Mon Dieu, on est pour Gbagbo et on n'aime pas la discussion. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est pas normal, ça. Voilà. Moi, je peux pas m'inscrire dans l'idéologie du radicalisme. Par exemple, laquelle il dit, moi, c'est pas go. Voilà. Go, c'est moi, selon ma définition. Voilà. Selon ma définition. Après, les gens ont une définition. Voilà. Mais selon moi, il dit, Gbagbo ou rien, moi, ici, pas dedans. Voilà. Ici, pour Gbagbo, c'est pas Gbagbo ou rien. Voilà, parce qu'après Gbagbo, sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire peut avancer. Voilà, la preuve en est, Oufouet qui a construit la Côte d'Ivoire, il est mort. On n'a pas eu deuil national. Petit deuil, après c'est passé. Et puis on avance. C'est comme ça. Il faut mettre l'intérêt de la nation et non l'intérêt des hommes. Voilà. Tout le monde sait que Gbagbo, il a été victime d'une conspiration à l'échelle internationale. Tout le monde sait ça. Nous, on sait ça. Voilà. Nous, on sait ça. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il a été victime d'une conspiration internationale qu'on va proscrire tout dialogue avec l'ennemi ou l'adversaire. Ça, c'est pas la politique. La politique, c'est comme un jeu. Voilà, on va prendre la politique comme un jeu et non comme un combat de Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et arrêtons d'être dans la belligérance. Parce qu'on a été dans la belligérance pendant 10 ans. Ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Ça n'a rien apporté. Après, mais c'est déplacé pour venir en Europe, pour venir vous croiser déjà. Ça, c'est salutaire, ça. Parce qu'avant, on peut pas voir un leader politique se déplacer et être soumis aux questions des gens qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas journalistes. Voilà. Ça c'est être homme, ça. Un gars qui n'est pas ministre, un gars qui n'est pas chef, qui n'est pas journaliste, et un président de parti politique, il dit, bon, pose-moi des questions. Ça, c'est salutaire. On appelle ça l'humilité. Voilà. Edith Denayan, tu voulais intervenir là. C'est comment on a quoi? C'est le 07 58 11 28 74. 07 58 11 28 74. En tout cas, moi, chez moi, la politique, c'est le dialogue. Voilà, on parle de réconciliation, mais par contre, on ne veut pas lever les jeux pour pouvoir discuter. On pense que ouais, c'est nous qui sommes les saints. Hé, guerre de Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme qui est saint dedans. Voilà, il n'y a pas l'homme qui est saint dedans. Edith, c'est le 07 58 11 28 74.
Voilà, il faut appeler. C'est ça. Parce que tu as vu dans la vidéo, tu étais là-bas aussi. Voilà, fais-toi nous expliquer aussi ce qui s'est passé. Voilà. Donc les gars, c'est ça la politique. Voilà. Moi, un probabo qui a dit non, il n'est pas dans le dialogue, c'est pas un probabo. Voilà. Lui, c'est un espion. C'est un esprit malin. Et il doit être proscrit dans la ligne des probabo. Voilà. Il doit être proscrit dans les rangs des probabo. Voilà. Parce que Babou, il a toujours dit action et discutons. Donc, pour laquelle on le suit. Voilà. Si Babou disait, il met la guerre. Non, il se met un sourd. Et sourd, c'est les armes, non, vu. Voilà. Moi, je suis gendarme. En tant que médecin, il est sourd. Mais c'est les armes. Voilà. C'est un chef de guerre. C'est les armes. Mais quand tu t'inscris dans la logique de Babou, c'est le dialogue. Asseyons-nous et discutons. Voilà. Guizo Assamoah, Afi a insulté mon président. Ça, je ne peux pas lui pardonner. Ça, c'est ton droit. Voilà. Mais il faut aussi situer l'injure dans son contexte. Voilà. Parce qu'on n'insulte pas comme ça. Voilà. Mais Michel T. Afi doit demander pardon. Mais si l'autre tendance ne vient pas discuter, parce que c'est quand on discute et qu'on te juge, on dit tu as tort, là tu demandes pardon. Mais l'autre personne, elle ne veut pas discuter. Ils sont là, non, ils sont supérieurs, je ne suis pas. Mais comment lui, il va demander pardon? Après tout, mon frère, il a sa dignité. Il a sa dignité. Voilà. Mais les BD, même vous dites Afi n'a pas demandé pardon. Mais les BD qui étaient au golf, ils ont demandé pardon à quelqu'un. Les BD, même qui étaient avec les rebelles, ils ont demandé pardon. Ils n'ont pas demandé pardon, mais ils ont Babou l'a accepté. Donc arrêtez ces clichés-là, parce que c'est vous qui enflammez la situation. Arrêtez ça. Ne faites pas deux poids, deux mesures. Voilà. Parce que moi, je pense que même ces bédons ne doivent pas voir, parce que Bédé était Ouattara. Voilà. Et Bédé, il a tenu des propos comme quoi Babou est bien où il est. Mais ça n'a pas empêché le président de le voir. Mais pourquoi au sein de votre famille politique, vous entretenez des guéguerres? Pourquoi? Mais quel exemple vous donnez? Vous pensez qu'avec ce comportement, nous, on va vous voter? On va pas vous voter, les gars. Parce que si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, ce n'est pas la cause qui va vous réconcilier. C'est ça qui est la question. Allô, Edith? Ah non, le déchet, ce n'est pas Edith, c'est un auditeur. Comme elle appelait pas, donc j'appelais vite fait en attendant avant qu'elle parle, quoi. Ok, on t'écoute. Ouais, déchet, oui, pardon, t'es dérangé, puis l'émission, tranquille, hein, comme d'hab. Sauf que là, on ne reçoit pas les notifications quand t'es en direct maintenant. Ah, pourquoi? Ah, je sais même pas, je suis tombé sur ta vidéo au hasard en plus, moi. Ah. Bon, voilà. Tu es là maintenant, donc, donne ta part de vérité, mon frère. Voilà, pas de vérité, vite fait, en deux secondes. Moi, j'aime, je suis quelqu'un, j'aime critiquer mon camp. Parce que je suppose que quand tu es un militaire, que tu vas en guerre, si tu es avec des mauvais soldats ou même des mauvais caporaux, tu vas te faire tuer très vite. Bah ouais. Voilà, donc dans notre camp, là, il y a un gros problème là-bas. Regarde ce qui s'est passé avec les corps. Les corps, ils luttent pour que le FPI, tous les gars qui sont en prison sortent. Une fois que les gars sont sortis et le chef même est sorti, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, le FPI dit au gars, bon, calmez-vous maintenant, nous on va gérer ça avec la diplomatie. Mmh. Et donc le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est que les gars disent non, que Assou Adou, ce que Assou Adou et Alex Zaté, Steve Biko et compagnie sont en train de dire, Assou Adou est en train de mentir sur Laurent Gbagbo. Alors que Laurent Gbagbo et alors que Assou Adou, c'est quelqu'un qui signe des documents officiels au nom de Babou avec le PDCI, dans des grands combats qui n'ont rien à voir avec leur histoire de venir marcher à Bruxelles ou pas. Donc Assou Adou, c'est vraiment la voix de Babou. Ah ouais. Et les gars aujourd'hui, ils sont en train de dire non, Assou Adou, il ment, il parle pour lui seul, il ne parle pas pour Babou, que Babou est enfermé, que Babou ne peut pas parler. Donc eux pensent à la place de Babou, ils vont défendre Babou. Donc on peut arrêter cette enfantillage. C'est ce que je voulais dire en disant le problème qui est dans notre camp. Quand dans notre camp, on va ouvrir nos yeux, pour comprendre que c'est Koudouman qui l'a dit, les gars, on n'a plus besoin de vous, nous, on geste entre les grands. On va aller au combat directement, et puis ça va faire qu'on va discuter avec tout le monde tranquillement. Ah ouais. Tu vois, les gars, ils sont en train d'insulter Assou Adou, alors qu'officiellement, Assou Adou, c'est la parole de Babou. Ils signent des documents officiels pour Babou, tout le monde le fait. Mm-hmm. Même si on aime, si ils n'aiment pas les athées ou les autres, même si c'est ce que les gens disent, mais c'est ce qui est la vérité. Mm-hmm. Voilà. Donc, faut qu'on si on arrête, il ne faut pas avoir des mauvais soldats dans ton propre camp. Sinon, l'ennemi, il a fait 90% du travail, hein, mon frère. C'est trop facile. Ah ouais. Voilà. Donc, le dessin, voilà. C'était juste ça. En attendant qu'il dit cet appel, mon gars. Ok, à fois champion. Ouais, bon après. Merci, on est ensemble. Ok, ciao. Ouais, ciao. Edith Denenya n'a pas lutté. Oui, bien.
Allô? Allô? Ouais, c'est comme elle dit de Néan. Oui, toujours elle-même. Ouais, bonjour, ensemble. bonjour, dessin animé. Ah, bonjour, championne, c'est Romain. Oui, merci, merci d'avoir donné parole pour. Parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, les gens ont fait des posts, ils insultent, chacun fait ce qu'il veut, chacun il dit ce qu'il veut. Vous savez, les parfamis, dans la lutte, là, quand on venait dans la lutte, personne n'a appelé son ami dans la lutte. Ouais. Voilà. Personne n'a appelé son ami dans la lutte. Vous-même, vous savez, dans la lutte, vous savez combien les prix que les gens ont payés. Voilà. Donc aujourd'hui, à chaque fois quand Afi vient ici, on dit non, on ne veut pas recevoir Afi. Non, on va verser poudre sur Afi. Cette fois-ci, bon, on ne m'a pas invité, hein. J'ai appris que Afi est venu. Donc, à chaque fois de rester sur les réseaux sociaux, puis on dit Afi, donne le logo de FPI là. Moi, je vais sur place, regarder droit dans les yeux de Afi, et puis lui poser mes questions que je veux. Bah ouais. Donc, c'est ce que nous on a fait. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Donc, on est parti. C'est vrai, il n'a pas vite venu. Il est venu un peu en retard. Et on l'a attendu. Franchement, moi, vous me connaissez, hein. Moi, quand j'ai envie de dégamer, je dégame. On te connaît? Voilà. On t'a Et vu quand je n'ai pas on t'a envie vu de dans l'histoire dégamer, des valises. voilà, quand je n'ai pas envie de dégamer, je reste poli et puis je vous écoute. Ouais. Donc, c'est comme ça que même quand ce soit Black Moto, Pepe Beni, Sonaki, à tout cas, on était un peu boy. Et puis, on était là. Chacun a posé ce qu'il voulait qu'on question à Afi. On a vu que Afi, il voulait nous tourner. Ça veut dire que les questions qu'on posait à Afi, il ne nous donnait pas Des belles les réponses. vraies réponses. Il vous détournait. Voilà, il nous détournait. Ça veut dire qu'il parlait lui-même à sa faveur. Et nous, on a vu que le monsieur, il n'était pas clair. Et au début, moi, je n'avais pas posé ma question. Donc, ça après, Et toi, Black Moto a tu avais posé, quelques questions à la fille. moi, ma question, j'ai dit à Fingessan. En 2015, on t'a vu aller aux élections avec Dramane Ouattara. Alors qu'on t'a dit de ne pas aller aux élections avec Dramane Ouattara. Comment tu es allé aux élections en 2015? Quel est le résultat qui t'a plu dedans? Quel est le résultat qui t'a plu dedans? Ça fait déjà un. Et moi, au lieu de rester derrière mon écran de portable pour dire Afi, donne le logo de FPI, je suis allé dire Afi. Nous, on attend plein de choses dans l'affaire de FPI là. FPI dit, tu n'es plus dedans, donne le logo de Bago Laurent. Afi m'a répondu correctement, il dit, donne pas le logo là. Parce qu'en 2020, lui, il veut aller aux élections. Donc, j'ai posé la question, Afi, donne, ça veut dire, tu ne donnes pas le logo là. Donc, on n'a qu'à attendre en 2020, si toi, tu veux aux élections, que tu gagnes pour que Bago sorte de prison, tu te fous de nous, tu te fous de qui là? Donc, Afi, lui-même, il a commencé à s'énerver, alors qu'en politique, lui, il ne doit pas s'énerver. Donc, ça veut dire, j'ai touché le point clé, on ne l'a pas touché. Donc, on a vu dans Afi que c'est un plaisantin. Donc, au lieu de que les frères et sœurs restent derrière, il fallait venir devant Afi Nguessan. Et chacun va lui parler ce qui ne lui plaît pas. Parce que si on reste derrière, on dit que non, on ne veut pas croiser Afi Nguessan. On ne veut pas croiser telle personne et on reste derrière notre crâne. Et puis on dit, ah, il est comme ça, ah, il est comme ça. Comment il peut savoir ce que nous, on pense de lui? Moi-même, je dis aujourd'hui, si même Sorodium vient à Paris, si on dit il y a conférence de Sorodium là, je débarque là-bas et puis ça ne va pas quelque part. Et je vais poser mes questions que je vais à Sorodium. Parce que si on vient aller de l'avant là, c'est comme ça, faut plus on va les suivre. Parce qu'il faut leur dire ce que tu penses dans ton cœur. Voilà, donc les gens ils n'ont pas arrêté. Quand on venait dans la lutte, personne n'a mené son ami dans la lutte. On sait ce qu'on a perdu dans la lutte. Et on est encore dedans. Et il y a des gens qui ont des problèmes à cause de la lutte. Donc les gens n'ont pas arrêté. La personne qui a envie de parler à fille là, il va parler à fille. Nous on a dit à Soadou, pourquoi on n'est pas d'accord avec lui? Parce que c'est nous, on a marché de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et puis ils ont dit, Bagou était acquitté. Donc, si on a décidé de dire qu'on va à Bruxelles, là, il ne doit pas dire que non, Bagbo dit qu'il ne veut pas nous voir. Parce que d'habitude, quand on va
à Hollande. C'est pas Gbagbo qui décide et puis on va à Hollande. Ben ouais. C'est ça qu'on n'a pas, on n'a pas aimé dans Achoadou. Ben ouais. Donc aujourd'hui, si Gbagbo est sorti qu'il ne parle pas, il ne dit pas un mot, il n'est pas bobo. Ben ouais. Il y a Blé Goudé qui parle. Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Et puis c'est Achoadou qui envoie des gens comme Arlette Zaté pour nous insulter. Donc nous, on a pris notre risque et on est reçu au droit. Moi, en 2011, j'étais enceinte de 6 mois. Sur les Champs-Élysées, la femme enceinte que j'ai frappée là, c'est moi. Je pouvais perdre mon bébé. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que j'ai des risques qu'on a pris ici en France. Aujourd'hui, là, moi, je suis au tribunal. On peut me condamner comme mon père ne peut pas me condamner. Tout ça à cause du combat. À cause de la lutte. Donc ouais, ça veut dire qu'il y a des risques qu'on prend en France ici. Donc les gens n'ont pas arrêté. Bon, moi, là, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Puis personne ne peut m'interdire. Ouais, ouais. Donc c'était à ça que j'avais envie de dire. Merci. Ok, merci championne, merci, t'es une championne. Merci. Merci Edith Denegna. Allez, à bientôt. On est ensemble, voilà. Donc la dame, elle a pleinement raison. On dit Afi n'est pas ça, Afi est temps. Mais si tu es derrière ton clavier, comment Afi pourra te convaincre? Tu as des questions à poser, c'est pas dans la vidéo, tu as posé des questions. Parce que cette vidéo, à peine Afi regarde, Afi ne regarde pas. Donc, moi j'ai jugé nécessaire que certains cyberactivistes aillent poser des questions à Afi Guessant pour s'enquérir des nouvelles. Mais on ne peut pas rester là sur son clavier pour dire non, on ne veut pas voir Afi Guessant. Mais elle prend son exemple. Elle a dit, elle a posé des questions, elle a su que Afi Guessant tournait les gens en bourrique. Voilà. Elle, c'est ce qu'elle a retenu d'Afi Guessant. Mais vous qui êtes là-bas, là, vous ne savez pas si Afi Guessant tourne les gens en bourrique. Vous êtes derrière votre clavier. Non, on ne veut pas le croiser. Mais Gbagbo a dit, Asienu et du Suton. Voilà. Le langage est l'âme des forts. Mais vous restez dans une posture de radicalisme et on dit on n'aime pas Afi Guessant. Afi Guessant, c'est un menteur. Mais il fallait venir poser des questions, puis tiens, ça va. C'est comment RM Star, c'est comment Shonaki Shonaki. Shonaki Shonaki, c'est toi qui appelles, non? Shonaki. Shonaki Shonaki. Salut, salut. C'est comment il se claque les bisous là. Ouais, je le claque, hein. Comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde va bien, hein. Ouais, ils vont bien, hein. Voilà. Bah, essaie de me mettre un peu le parfum là. Donc, je viens de te prendre. Voilà, en fait. Par rapport à la rencontre des. Voilà. Des au fait. Voilà, je te mets au parfum. Pour toi, je te mets au parfum. Parce que toi, t'es la mère, Sunaki. Sinon, peut-être que t'as eu là. Ils n'ont pas lu la vidéo. Ben, il disait. La vidéo a pour but de moi poser mon commentaire sur la rencontre que vous avez eue entre Afi Guessant et les cyberactivistes pour Gbagbo. Ah. Il y a des gens qui ont fustigé vos rencontres sous prétexte que vous ne deviez pas aller s'enquérir des nouvelles que Afi allait vous donner. Moi, j'ai dit, mais c'est pas normal. En temps normal, là, quand c'est dit pour Gbagbo, il faut opter pour le dialogue. Gbagbo n'a jamais dit de rester dans une posture de radicalisme. Donc, ceux qui sont allés vers Afi, c'est pour savoir ce que Afi allait dire. Voilà. Ouais. La politique, c'est le dialogue. C'est pas rester derrière le clavier. Voilà. Donc, ceux qui sont allés là, ils ont eu au moins un état d'esprit de voir qui était Afi. Parce qu'ils ne sont pas contentés de la vidéo, mais ils ont posé des questions et les préoccupations à Afi. Et si Afi l'a convaincu ou pas, ça, c'est eux qui voient. Mais vous n'allez pas empêcher les gens pour dire non, n'allez pas voir Afi sous prétexte que vous êtes trahi. Personne n'a trahi ici. Comme l'a dit Edith Denegna, il n'y a pas quelqu'un qui a pris son camarade pour dire va dire dans la lutte. Et il n'y a pas quelqu'un qui a cherché son camarade ici. C'est voilà. Clair. Et tout Ivoirien est libre d'assister à une conférence de presse qu'il veut. Moi, je peux me lever le matin, je peux dire bon, solo organise une conférence de presse, je peux aller l'écouter pour voir, pour savoir ce que j'ai envie de savoir. Voilà. Ouattara organise une conférence de presse. Si elle peut, j'aimerais écouter pour vous poser mes questions aussi. Donc c'est comme ça, c'est ça la politique. Voilà, c'est le jeu du dialogue. Mais on ne peut pas être dans une posture de belligérance et fustiger les autres qui disent non, pourquoi vous voulez voir Afi, c'est pas normal. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ce commandant dans la lutte ici. Mm-hmm. C'est un peu ça le but de ma vidéo. Ok. Bon, moi j'y étais. Voilà. Ouais, je t'ai vu. Oui, j'ai été appelé aussi, comme tout le monde. Est-ce que je peux parler maintenant? Ouais, engueuler le moteur, il faut parler. Ok, voilà. Soyez tous à l'heure sur ce direct-là. Voilà, c'est 220 personnes. Je vous claque tous le bisou. Voilà, c'est Sonaki Sonak, artiste chanteuse ivoirienne. Voilà, et en fait, j'ai été conviée à cette petite rencontre avec M. Afi Guessant. Moi, j'étais vraiment très heureuse parce que, en fait, je voulais savoir des choses. Mm-hmm. Et voilà, normalement, je dois faire une vidéo ce soir, si possible, aujourd'hui, en fait. De toute façon, je ferai un post pour vous donner l'heure exacte de ma vidéo. Et il y a pas mal de personnes qui ils aiment extrapoler, en fait. Ils sont dans le gnou-gnou, dans le gna-gna, dans le cancan. Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter.
pris, hein, parce que mine de rien, cette histoire de Babou Laurent là, ça date de combien d'années? On sent dans 9 ans et ça n'a pas bougé d'un iota. Ça n'a pas bougé d'un iota. Le monsieur, il a eu un semblant de libération, il est encore assis là-bas. Et puis, on ne sait même pas à quel sens il va être bouffé. Et puis, on est là, on tourne en bourrique. Moi, je suis pas dans un parti politique, en fait. Et voilà, il y avait tellement de vide. Il y avait tellement de vide depuis le 15 janvier 2019. Hein, que oui, il y a un petit groupe de personnes qui se sont levées. Ils ont dit, bon, oui, faisons ceci, faisons cela. Et puis, bon, voilà, chacun est venu de lui-même. Et puis, on s'est mis ensemble. Hein, qui a formé la résistance trop fait trop, personne n'a signé un contrat avec quelqu'un. Même point sur la toile, chacun fonctionne comme il veut. Voilà. Donc nous, on a eu l'information, comme tout le monde. Et Naomi veut t'aider à appeler presque tout le monde. Et il y a des gens qui ont dit que non, je ne vais pas, non, je ne veux pas le rencontrer, non, ceci, non, cela. Vous êtes qui, vous? Vous êtes des politiciens? Vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes des personnes qui sont... Qui aiment parler, voilà, qui est derrière vos claviers, et vous vous exprimez sur la toile. Tu es sur la toile, là, tu es ton politicien à toi-même. Mais en vrai dit, où on dit, lui, là, c'est un politicien, là, tu n'es pas dedans. Moi, sur laquelle je ne me considère pas comme politicienne. Je suis une voix des sans voix. J'ai envie du bien de tous les Ivoiriens, de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, pour que chacun ait son petit truc à manger. C'est-à-dire que le minimum vital de chaque Ivoirien. C'est ce que moi je recherche. Moi, je me rappelle très bien au temps de Henri Konan Bédier. Moi, je rentrais dans la fleur de l'âge. Moi, je suis une couturière de formation. J'avais mes ateliers de couture. Je fais chef d'entreprise sans le savoir. Il a fallu que je sois en Europe pour savoir que je suis chef d'entreprise dans mon pays. Vous voyez un peu le contraste? J'employais des gens que je payais chaque fin du mois et ces personnes avaient des familles. Voilà. Et je savais ce que je gagnais chaque fin du mois. Mais malheureusement, la politique dans nos pays a fait qu'aujourd'hui, on a été obligé d'immigrer en France. Et on est là, on assume. Moi, mon souhait est que oui, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et que oui, chaque Ivoirien puisse vaquer à cette occupation et avoir le minimum vital. Ne serait-ce que le minimum vital. Donc la rencontre de comment dirais-je, M. Afinguesan avec nous, ça s'est très bien passé. C'est très bien passé, mais Afinguesan, il est dans sa logique à lui. Il est dans sa chose. Moi, logique, de quoi, si logique de quoi? Logique de quoi? Logique de quoi? Oui, ça va. Logique de quoi? Logique de quoi? En fait, c'est lui qui a eu la chance, le privilège du... Comment on appelle ça? De la présence de Babou Laurent d'avoir le FPI. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le FPI derrière Babou Laurent. Il n'a pas pris le FPI à l'absence de Babou Laurent. Il a eu le FPI au moment où Babou Laurent existait, au moment où Babou Laurent n'était pas en prison. Ah ouais. Donc lui, il a eu le FPI au moment où Babou Laurent était là vis-à-vis devant tout le monde. Et Black Modo. Ils ont géré le pouvoir. Ils ont géré le pouvoir, malheureusement, tout le monde sait ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ceux qui aujourd'hui qui disent, Babo dit, mais on n'a pas encore Babo en train d'ouvrir la bouche pour nous dire à nous. Donc lui, il s'est dit, parce que c'est le monsieur qui sent que oui, moi selon ma conclusion personnelle, hein, c'est le monsieur qui voit, il voit que oui, il y a beaucoup de personnes qui luttent ce logo-là. Donc lui, il a dit, attends, moi je l'ai eu au moment où la personne n'était pas en prison. Pourquoi moi je vais lâcher? Ça, c'est une conclusion personnelle que moi j'ai vue. Maintenant, il y a des petites choses qui ne rentrent pas dans mon entendement personnel à moi, mais ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas du FPI. Moi, mon seul truc, j'ai envie que lui, tout ce qu'ils font là, leur manigance là, s'empêche pour un bateau de sortir de la prison. Ben ouais. C'est-à-dire qu'un pouce l'enfonce. Un pouce enfonce Babou Laurent. Sachant très bien que lui, je crois un peu en ce que le monsieur a dit, parce que la dernière fois, quand on devait partir à Bruxelles, on sait ce qui nous ont attaqué. On sait ce qui nous ont empêché de partir. Nous les connaissons, ceux qui ne voulaient pas qu'on prenne la route de Bruxelles. Ce n'étaient pas les défendre, ce n'étaient pas les affidés. Ben ouais. Et mais pourquoi ce n'est pas les affidés qui nous ont attaqués et que ce sont les autres qui nous ont attaqués du
C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bah ouais. Moi, je lui ai posé la question à savoir, M. Assine Guessant, qui sont ceux, mais c'est ce qui est vilain en fait chez nous, en fait. Ce qui est vilain chez nous, les Ivoiriens, est qu'on ne dit jamais le nom des gens qui foutent la merde. On aime trop garder secret. C'est dans ça là, on est là. Moi, le politicien qui viendra devant moi, qui va dire les choses clairement, qui va dire les choses avec ouverture, qui va s'exprimer avec propreté, moi, je le vote, et puis point. Parce que la politique a pris une autre dimension. La politique du mensonge, là, les Ivoiriens n'en ont plus besoin. Parce qu'on a vu ce que ça nous a donné. On a vu comment ça nous a ôté nos parents. Moi, je dis, jamais comment dirais-je, les femmes d'Adjano qui ont été tuées en Côte d'Ivoire, elles viennent de mon village. J'en avais 12 de mes tantes là-dedans. Et ce n'est pas des gamines, non, ce n'est pas des gamines. C'est des mamans de 60 ans, 65 ans, 80 ans, 90 ans. On les a tuées parce qu'elles étaient en train de danser le Adjano. Donc, moi, par rapport à ça, accepter que oui, on continue dans ce tohu-bohu là qui n'amène aucun Ivoirien à quelque part, qui a bousillé la vie de milliers d'Ivoiriens, et comme nous autres, voilà, nous sommes des générations sacrifiées, on a bientôt 50 ans et on n'a même pas pu déposer une brique à terre. C'est pas une vie ça, c'est pas une vie. Donc on ne peut pas continuer dans ça. Donc, ce monsieur, il a dit des choses, il y avait des parts de vérité, il y avait des choses qu'il ne disait pas, mais je sentais que oui, comme tous les politiciens, ils aiment bien ôter les choses et puis ils ne disent pas tout, là. Il n'a pas pu répondre à ma question. Et il y a même, deux conférences de presse, un à Orléans-sous-Bois et puis un à Orléans ma maison. Donc, pour vous dire que oui, nous ne sommes pas partis pour aller monnayer nos vestes à monsieur, comment il s'appelle, là ? Assine Guessant. Parce que si on voulait monnayer nos vestes là, on n'allait pas demander à ce que ça soit en direct. Parce que nous, on lui a dit. D'autres, comment dirais-je, eux, peut-être qu'ils auraient voulu que ça soit peut-être à huis clos. Nous, on a demandé que oui, que ça soit filmé pour que tout le monde voit. Si on avait fait à huis clos là, les mêmes Ivoiriens qui piaillaient sur la toile là, qui est toujours derrière leur clavier, qui racontaient leur vie à deux balles là, ils allaient dire que oui, on est allé monnayer nos vestes. Moi, je ne peux pas monnayer ma veste. Je suis Assine Guessant. Si je vais monnayer ma veste, je suis un politicien là. Je vais aller monnayer ma veste chez. Comment il s'appelle là? Alassane Dramane Ouattara. C'est celui que je vais aller monnayer ma veste. Ah ouais. Moi, je sais que j'aurai assez d'argent pour pouvoir me serrer m'acheter une maison. Au moins, je sais que oui, en telle année, je vais monnayer ma veste et c'est avec ça que je vais payer ma maison. Je vais pas aller monnayer ma veste avec 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Je vais monnayer ma veste avec l'argent d'une vraie villa où moi je suis assise dans la maison, mais je sais que j'ai donné état à mes enfants. Bah ouais. Donc, à un moment donné, là, vos blabla sur la toile, là, arrêtez un peu. Parce que vous êtes derrière vos claviers, là. Vous ne sortez jamais. Vous ne manifestez jamais. Vous ne foutez rien derrière vos claviers. Vous laissez les personnes comme nous autres qui parlons tous les jours, qui allons toujours à l'aïe. Nous sommes nombreux comme ça. Certains gars, là, ont travaillé, c'est pas on. Je vais citer ici Alex Zaté, je vais citer ici Willy Blanc, je vais citer ici Michel Taïe, je vais citer tous ceux qui sont partis à l'AE jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, à un moment donné, là, il faut changer la façon de marcher. Parce que si vous voulez rester dans vos
Parce qu'un politicien qui aime les Ivoiriens, qui aime la Côte d'Ivoire, peut faire des concessions. Il peut vouloir se plier à certaines règles pour le bien-être de son pays. Mais si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, si tu n'aimes pas les Ivoiriens, tu vas être dans du faux, tu feras du faux, et puis tu vas t'en foutre. Même si les Ivoiriens doivent mourir, même s'ils doivent être des bétails, tu vas t'en foutre. Voilà. Donc, à un moment donné, là, ne suivons pas ce politicien-là. Il joue avec l'esprit des Ivoiriens. Il joue avec notre esprit. Donc, moi, tout ce qui joue avec l'esprit des Ivoiriens, ça ne m'intéresse pas. Wow. Voilà. Parce que je veux le bien-être de chaque Ivoirien. Nos enfants sont diplômés. Nos enfants ont des bacs plus. Nos enfants ont des masters 1, master 2. Et puis, ils font cabine téléphonique. Ce n'est pas une vie, ça. Pendant que nous, on va prendre l'argent pour aller donner à des gens qui sont à tête. Pendant qu'ils vont prendre, on va parler en milliards. Et puis, nos enfants traînent. Moi, je ne veux pas accepter ça. Ou bien wow. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, à fois, c'est là que je suis là. Et puis, on est ensemble. On est ensemble, ok. Merci. Merci. Bon, je disais, nous sommes en politique. Voilà. En démocratie, c'est le assion et discutons, c'est le dialogue. Donc, nul ne peut empêcher des Ivoiriens d'aller poser des questions à un leader politique qui fut à la tête de leur pays et demander des comptes. Ça, c'est logique, ça. Mais pourquoi fusiller ces gens-là pour dire non, je vais t'aller le voir, je vais te traiter. Chacun est libre de militer où il veut. Allô, bonjour. Bonjour, Destin, comment on dit? C'est comment, champion? T'es en direct, en gré moteur. Salut d'abord toute la famille en ligne. Je vous fais d'abord un gros big up et merci d'être connecté. Je voulais intervenir un peu sur le direct d'aujourd'hui pour dire quelque chose qui est pertinent. Si tu te rappelles, la dernière fois, j'avais appelé quand... Comment il s'appelle? Iba Ipo était en ligne. Et ça a suscité qu'il y a des gens du FPI qui se sont déchaînés sur moi. Attends, un instant, s'il te plaît, Modo, s'il te plaît, envoie-moi ton numéro en inbox sur mon portable, s'il te plaît, là, quand il t'appelle. Ok, madame, oui. On vous écoute. Ok, d'accord, voilà. Il y a des gens qui se sont déchaînés la dernière fois pour dire que non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. D'abord, nous tous ne sommes pas pro Gbagbo, mais nous tous, nous optons pour l'idéologie de sa politique. Pour notre pays commun qui est la Côte d'Ivoire. Mais pour aller à un combat, on ne doit pas rester sur des claviers pour dire aux gens que sortez, allez-y marcher. Il y a des gens qui ont marché, qui ont fait des choses depuis à 10 ans, même qui sont arrivés en Europe ici. Quand on dit à des délégations, allons-y à la haie, qui sont passés à la haie, qui ont été bastonnés, même à Paris, mais qui continuent de marcher. Mais il y a d'autres personnes qui sont assises chez eux à la maison, qui pensent que c'est en faisant des vidéos, en peut-être insultant l'opposant, qu'ils vont gagner la bataille. Mais non, jamais. Allez-y affronter au contact le lion quand il est sur le terrain. Afungé sans lui le traite, il est venu à Paris. Ça nous enlevait quoi? Tous ensemble de se lever comme un seul homme, comme le dit notre leader, d'aller affronter ce monsieur-là, lui poser des questions, le traumatiser avec notre idéologie. Le mélanger avec nos questions, vraiment savoir quelle est sa position exacte. Tu comprends? C'est là que c'est la crise. C'est pas un gros big up, master. Mais je te dis un truc. Afin de ça, n'a aucune idéologie. Dans tout ce qu'il fait, n'a aucune idéologie. Un traître, c'est un traître. Je suis avec Dessin aujourd'hui. Je ne vais pas attendre quand Dessin va tomber. C'est là que je vais me proclamer comme le chef de maison. Je vais faire ce que Dessin me dit parce que je sais que Dessin est dans les problèmes. Voilà ce qu'il a fait de faire en tant qu'un vrai combattant, en tant que quelqu'un qui connaît vraiment l'idéologie du FPI. Mais je pense que nos leaders qui sont au FPI, parce que moi personnellement je ne suis pas FPI, je ne suis pas la politique, je suis désolé parce que je ne suis pas la politique, mais j'aime cet homme-là, j'aime son idéologie, j'aime l'histoire de cet homme-là, c'est pour cela que je le suis. Et c'est pour cela que je suis mes pieds à me battre, à combattre toujours pour que cet homme-là ait la liberté totale. Nous demandons quelque chose. Nous allons aller vers la personne.
Mais si nous refusons d'aller croiser la personne qui était avec nous hier, on dit que le démon ne vient jamais de nous. Notre démon, ça a fait une descente, on n'accepte pas. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi ne pas l'affronter? Bah ouais. Allons-y l'affronter, allons-y au dialogue avec lui, posons-lui des questions. Quel est son problème? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Ok, on t'a interdit le 2015, tu as allé aux élections. Tu as perdu les élections. Largement, on t'a battu. Tu as gâté le nom du FPI. Retire-toi, 2020, attends ce que le monsieur sort de prison pour qu'on affronte ensemble ce combat. On va voir ce qu'Afi va nous dire. Ah ouais. Mais si parmi nous, d'autres personnes ne veulent pas aller croiser Afi Nguesson parce qu'Afi Nguesson est le traître, parce qu'Afi Nguesson est celui-ci, est celui-là, vous pensez à quand est-ce que nous allons finir avec ce problème-là? Ah ouais. Et j'aime d'abord les dirigeants du FPI. Quand Bagbo est sorti de prison, ce n'est pas la seule personne qui est sortie avec liberté, comment on appelle, immédiat. Mm-hmm. Les Goudé aussi est sorti et j'étais affiché des mêmes charges. Mais nous ne savons pas pour quelle raison le président ne parle pas. Ça, c'est sa position à lui. On ne peut pas forcer à faire ce qu'il va faire. Mais vous ne pouvez pas interdire des gens qui ont marché hier, ni de souci la pluie, aller combattre pour ce monsieur-là. Refuser ce monsieur-là, on le voit, c'est pas normal. Ou bien qu'est-ce que vous nous cachez? Ok. Conclusion, il te reste 30 secondes. C'est évidemment, n'était pas du courage à Afiou Nguessa. Après avoir parlé avec Afiou Nguessa, pourrait demander une audience avec Assou Adou quand il vient en Bruxelles pour lui poser aussi des questions. Que quel est le problème exact au FPI pour qu'on puisse comprendre parce que personne ne sait ce qui se passe. Bah ouais. Donc, ils arrêtent ma conclusion, qu'ils arrêtent de s'asseoir dans leur maison à deux balles là et prendre des décisions qu'ils ne vont même pas supporter. Après, c'est pour devenir des traîtres comme les nains de poils parce que c'est comme ça qu'ils vont finir. Ah ouais, on se connaît ici. Ok, merci. Donc, champion. Un bisou à toi, mon frère. Ensemble, ok. Ciao, merci. Mm-hmm. Or Black Modo. Allô? Oui, allô. C'est comment? Or Black Modo. La Modo, c'est. C'est en direct. C'est comment? Voilà. Ouais, à fois champion. Bon, t'as l'antenne, on t'écoute. D'accord. En tout cas, merci. Merci pour tout. Merci pour l'amitié. Merci pour la fraternité. Merci pour ton combat. En tout cas, merci pour tout ce qu'on fait, nous tous. Hein. Ah ouais. À travers ta vidéo, je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les Africains, je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue aussi tous mes éléments de la monosphère. Voilà. J'ai suivi un peu tes interventions et puis j'ai vu tes prises de position. Voilà. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de dire qu'on a encore du chemin à faire. Ah ouais. On a encore du chemin à faire au point de vue civilisationnel. Voilà. Voilà des gens qui vivent en Europe, qui vivent en France, qui vivent en Europe depuis des années et qui voient pertinemment ce qui s'est fait, mais qui ont du mal à appliquer un certain nombre de principes élémentaires. Ok? Ah ouais. Qu'est-ce avec moi, quand Jean-Luc Mélenchon va aux élections, il arrive au premier tour, qu'il est éliminé. Jean-Luc Mélenchon prend la peine et vous de demander à ses votants et tout, quelle est la directive à mener. Et chaque jour que Dieu fait, nous voilà ici que l'homme politique a une considération et tout pour ses sympathisants, en tout cas pour ses votants. Ouais, ouais. Et contrairement à ça, nous vivons en Europe et nous ne faisons aucun effort de vérité pour que nos hommes politiques puissent comprendre que nous devons forcément un certain nombre de vérités, de responsabilités vis-à-vis de ceux qui votent pour nous. Ouais, ouais. On a mené le combat ici, on a battu les pavés. On était au moins 15 000, 20 000. Des grands frères, des artistes, des gens qui venaient de UK, partout. Et chaque fois qu'on a continué à marcher, les gens ont commencé tout à baisser les bras. À baisser les bras pourquoi? Parce que plus on avance, plus on découvre un certain nombre de choses. Plus on entend des non-dits. Plus ce qui était busqué est débusqué. Plus ce qui était caché commence à être découvert. Ah ouais. Nous, notre question ici, moi, ma démarche, personnellement, ma démarche, elle est crainte. Et tu me connais. On était ensemble ici quand à un moment donné, toi, tu as estimé que la Côte d'Ivoire doit gagner. Et tu as estimé que les terroristes ne sont pas tes ennemis et tout. Tu as été voir
un certain nombre d'amis cyberactivistes, vous êtes salués, vous êtes checkés et tout. Dans le fond, certains d'entre nous n'étaient pas d'accord avec ta démarche. Oui, oui. Mais est-ce que quelqu'un t'a invectivé et tout, pris une vidéo pour s'acharner sur toi? Non. Est-ce que ça m'empêche, comment je te vois là, de partir manger un achiqué avec toi, boire une bière? Non. Non, non. Voilà. Et donc, ce que nous, on va dire aussi aujourd'hui aux gens, c'est que primo, là, que quelqu'un soit du FPI et qu'il fasse une démarche et tout, qui n'est pas une démarche autorisée par le FPI, il y a un problème. Que quelqu'un soit du PDCI, qu'il entreprenne une démarche individuelle, il y a un problème. Mais ça fait des années qu'on vous dit, nous, là, on n'est pas FPI. Ça fait des années qu'on vous dit que nous, là, on n'est pas bien parti politique que ce soit. Ça fait des années qu'on vous dit, nous, on est venus dans cette résistance. Parce qu'il y a un monsieur qui a sacrifié sa jeunesse et tout pour la Côte d'Ivoire, pour obtenir la liberté d'expression pour la Côte d'Ivoire. Et c'est par rapport à ces principes-là que nous continuons et tout de le soutenir et de souhaiter vivement et tout sa libération. Nous avons dit par la même occasion que ça vient vous dire, au-delà de tout ce que vous allez dire, reconnaissez quand même que cet enfant-là, ce jeune-là, a donné aussi sa poitrine pour la patrie, la Côte d'Ivoire. Et qu'en tant qu'homme, on a des hauts, on a des bas. En tant qu'homme, on a des forces, on a des faiblesses. Personne parmi nous aujourd'hui peut dire, ouais, lui n'a pas de faiblesse, lui n'a pas de force. Ah ouais. Et donc, quand nous, la dynamique de rencontrer à Fin Descent, les gens parlent, mais qui est parmi à Fin Descent? Les gens parlent, mais les vidéos sont là. Quels sont ceux qui ont été les plus durement, il ne faut pas t'appliquer. C'est toi, mais on a vu la vidéo ici. Allez-y, recherchez la vidéo, et puis allez-y écouter mes paroles. Mes paroles sont très simples. Celui qui m'a interviewé s'appelle Guy Antikopobé. J'ai dit ici, c'est Paris. Et nous sommes ici aujourd'hui là pour dire à Fin Descent que Paris, ce n'est pas Abidjan. Nous demandons à Fin Descent d'aller en Côte d'Ivoire, de se réconcilier avec Abdelhamid Sangaré afin de venir s'adresser aux Ivoiriens. Est-ce que, quand nous disons ça là, est-ce que nous sommes en train de dire qu'à Fin Descent est prêt ou pas? Non. Nous disons qu'il est nécessaire pour nous que le haut pays, dont nous connaissons sa force et tout dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, soit initié. Et donc, notre action d'emparinage, c'est pas, on n'a pas emparinage et tout pour faire plaisir à qui que ce soit. Ah ouais. On a emparinage, c'est qu'un moyen de pression pour qu'ils comprennent que nous souhaitons un FPI unifié. Ah okay? Ouais. Si j'ai emparinage quelqu'un hier pour lui demander un FPI unifié, et que ce FPI-là n'est pas unifié après mon emparinage, est-ce que je peux évoluer dans ma tête ou pas? Est-ce que je peux procéder autrement et tout pour lui demander la même chose? C'est ce que j'ai fait. On m'a demandé d'aller le voir. Il y a la possibilité qu'il discute avec nous, j'ai été le voir, pour lui demander pourquoi, après l'avoir enfariné, après avoir utilisé la force pour qu'il soit avec ses amis, pourquoi il s'entête. Mais au-delà de ça, là, moi j'ai simplement envie de te dire, notre démarche là, c'est une victoire, non seulement c'est une victoire pour nous, mais c'est aussi une victoire pour toi, pour tous les cyberactivistes. Mais dis ça au début de la vidéo. C'est une victoire. Les gens nous négligent, même dans nos propres camps. Jamais on vous prend en considération. Ah ouais. Jamais même le fils du président Laurent Gbagbo, qui est Michel Gbagbo, va prendre son temps pour dire, ouais, j'ai appelé aujourd'hui d'être à Hamilton, j'ai appelé un certain nombre de frères, depuis des années, il se bat pour mon père, il peut même y aller en Côte d'Ivoire, quelqu'un a perdu leur boulot, quelqu'un a perdu ça. Jamais ils vont faire cette démarche-là. Mais quand on parle, le problème de nous les Ivoiriens, de vous les Ivoiriens, c'est qu'on s'est peur de la vérité. Ah ouais. Quand on parle d'une petite vérité, on pense que c'est des échecs. Non, on doit inciter Bleboudé. Non, on doit inciter Michel Gbagbo. Non. En quoi le fait de dire qu'il est anormal, que le fils du président, que la fille du président, que tous ceux qui sont proches du président n'ont pas le courage de dire merci à ceux qui font le combat du président Laurent Gbagbo, en quoi ça peut constituer une injure? Jamais. Jamais une injure. C'est juste une vérité. OK? Donc, comment on décide envers et contre tous, alors que les gens nous font comprendre que le président est libre et qu'il faut arrêter de marcher? On dit non. Si les marches ont été un moyen de pression, nous n'avons pas arrêté les marches et tout en si bon chemin. Et il est important pour nous d'accentuer, de multiplier les marches pour que nous puissions obtenir encore des résultats plus probants. Les gens disent non, ne marche pas. Le président Laurent Gbagbo a dit, le président Laurent Gbagbo a protesté, le président Laurent Gbagbo, on a marché. Il n'y a rien eu. Ils nous ont dit que si le président, si on marchait, ils allaient ramener le président en prison. On a marché, il n'y a rien eu. Et ceux qui nous ont empêchés et tout de marcher, qui ont envoyé des gens saboter des cars, qui ont envoyé la gendarmerie, la police, fouiller certains d'entre nous, sachant très bien que quand on va à Bruxelles, c'est pas tout le monde qui a les papiers. Ils ont pris les risques de mettre la vie de certains d'entre nous en danger, parce qu'on pouvait les rapatrier.
Quand tu es un pro-Bagbo, que tu es contre le régime Ouattara, quand tu es rapatrié en Côte d'Ivoire, là, tu t'en vas où? Dans la prison, on te dit même. On te dit même. C'est la torture assurée. Alors, les gens qui ont essayé de faire ça, nous, on n'est pas trop d'accord avec eux. Mais ce n'est pas ça l'important pour nous. Nous, on se dit encore, il faut qu'on éclaire la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens sachent un certain nombre de choses. C'est trop facile d'interdire un certain nombre de choses sans nous en donner les raisons fondamentales. OK? Donc, on a continué de marcher. Afin que ça arrive, j'ai des questions qui me taraudent. Celui-là dit ça, celui-là dit ça. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de ne pas entendre la radio ou de ne pas voir la télé les explications de la fin des fins. J'ai l'occasion, parce que avant qu'on discute et tout, là, nous, on s'est battu pour dire, nous voulons que ce soit en live. Et on a permis aux Ivoiriens de regarder. Les gens qui ont dit au départ qu'ils ne voulaient pas qu'on aille, on a vu sur les réseaux sociaux. C'est les mêmes là qui disent, demandez-lui ça, demandez-lui ça. Mais nous, on a envie de leur dire, tout balle, que tu avais bougé tes fesses pour venir poser tes questions. Qui mieux que toi pouvait te servir pour elle? Tiens, on est mieux servi que par soi-même. Ben ouais. Voilà. On est mieux servi que par soi-même. Ça, c'est une phrase que le blanc a donnée. Quand le blanc a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est de t'asseoir chez toi. Et puis, il dit que tu es insatisfait des questions de Bodo, tu es insatisfait de l'intervention de son acquisition. Tu avais la possibilité de bouger tes fesses et de faire quelque chose qui allait être satisfait toi-même. Voilà. C'est facile de voir un maçon aller construire une maison et de venir dire que le mur est tordu. Si toi tu sais faire les murs qui sont droits, pourquoi tu ne bouges pas? Ah ouais. Et donc, à un moment donné, là, il faudrait qu'on soit, vraiment respectueux les uns des autres. Il y a des jours, on va à Bruxelles. Il y a certains d'entre nous qui ne vont pas à Bruxelles parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Mais est-ce que parce que quelqu'un loupe un voyage, qu'il est traître ou bien qu'il n'est pas résistant? Non. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Ah ouais. Et il est là pour poser des questions. Quand tu es partant, tu es partant. Tu n'es pas partant, tu la fermes, tu restes tranquille, tu ne fais pas de balles. Ah ouais. Parce que c'est ça, quand on fait des balles inutiles, là, c'est ça qui envoie des problèmes dans les problèmes. Moi, Moto, je vois Pierre Hamilton poser une action, l'action ne me plaît pas, l'action, je n'y adhère pas, je ferme du caquet, je reste chez moi tranquille. Le jour où il fait une autre action qui me plaît, je suis avec lui, on continue. Voilà comment il faut fonctionner. Vous cherchez, les gens cherchent trop les histoires. Maintenant, moi, dans les jours à venir, je vous dis, est-ce que vous pensez qu'on est sorti zéro? On n'est pas sorti zéro. J'ai les documents, un certain nombre de documents, qui sont les documents et tout, d'un certain nombre de procès, sur le logo, tout ça et tout, qu'on m'a transféré, que je peux transférer à Dexter Hamilton. Ça veut dire que, moi, aujourd'hui, là, ma démarche, là, je veux plus que quelqu'un me dise, quelqu'un aurait dit que. Voilà. Moi, si vous avez des journalistes en Côte d'Ivoire, et puis qui toute la journée, ils passent leur temps à dire, un émissaire aurait rencontré Babo, c'est qu'ils se sont dit. Soro depuis Paris prévient, c'est qu'il a dit. Tous les jours, vous lisez les journaux comme ça. Vous n'avez pas honte, vous ne voyez pas que les journalistes ivoiriens ne vous respectent pas. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas les médias pas ici? Quand ils se lèvent et puis on dit Bakali, il est corrompu. Là. Et puis Bakali porte plainte. Et puis Mediapart gagne. Et puis Bakali, c'est un corrompu. Voilà. Et puis quand il dit tel ministre là, il a pris un pot de verre. Le gars dit dans un premier temps que c'est pas lui. Et puis il apporte les preuves. Alors, il y a des métiers aujourd'hui là qui sont des métiers pragmatiques. Quand tu es journaliste et tout, il y a une déontologie. Quand tu es médecin, il y a une déontologie. Il faut aller aux informations. Les gens disent ça. Afin dit ça. Afin Adou dit ça. Moi j'ai écouté. Afin dit ça. Ah ouais. Et bien là, viens chercher à soi à vous. En fonction de sa version, je vais me faire une opinion personnelle. Vous qui parlez, demandez à les coachs, demandez même à aller traquer toutes ces personnes. On était dans une salle avec le doyen Akoli du FPI, à la salle AGK. Près de 600 personnes. Je suis parti comme d'habitude avant de poser une question. Une seule question. Alors que Akoli disait que la candidature motivée du président Laurent Gbagbo à la tête du FPI n'est pas de son père. Et que la signature n'est pas la signature du président Laurent Gbagbo. Il n'y a plus sur moi et tout l'objectivité d'aller poser une question pour le doyen Akoli du FPI. Monsieur le doyen, est-ce que avant l'élection là, pour la présidence du FPI, est-ce qu'on va avoir un petit mot du président Laurent Gbagbo attestant que c'est lui-même qui est derrière cette candidature? Parce que c'est ça aussi qui s'agit. C'est trop facile et tout de dire à qui il n'a qu'à accepter ci, il n'a qu'à accepter ça. Mais qu'est-ce qu'on répond concrètement pour qu'il puisse accepter? Et donc, le doigt Akoli m'a répondu devant tout le monde. Ce n'est pas un secret de professionnel. Oui, mon petit, avant l'élection, le président Laurent Gbagbo va dire
Parce que comme les gens contestent sa candidature, lui-même il va dire, toi par le biais de son avocat et tout, qu'est-ce qu'il fait devant lui avec 3 ans. Ok? Moi, je suis pas un enfant, hein, avec 3 ans. Okay? Ah ouais. Donc, je ne suis pas là pour rigoler. Quand quelqu'un se dérespecte, quand il te lui donne une parole, que la parole n'est pas respectée. Le gars dit, ce n'est pas le président qui est derrière. Le gars dit, à un moment donné, là, vous parlez trop, il y a trop d'intermédiaires. Lui, il veut faire un pas avec le président. Lui-même, il dit, c'est son chef. Lui-même, il dit, il le reconnaît. Il dit, le jour, le monsieur, là, dit, donne-moi ça, là, il donne. Pourquoi on ne paye pas les conditions? Pourquoi on n'en crée pas les conditions? Pourquoi on n'en crée pas les conditions? Vous passez votre temps à nous tourner en rond. Nous, on sait très bien que nous, on peut gagner si le FPI est héritier. On dit, notre démarche, là. Notre démarche, ce n'est pas de caresser Artis dans le sens du doigt, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais nous, ça vous fait finalement que ce soit Artis qui fasse la démarche, que ce soit nous qui fasse la démarche, que ce soit Simon Babo qui fasse la démarche, nous savons une chose. Un FPI unifié est un FPI fort, un peuple qui revient pour renverser la vapeur. Alors, ouais. C'est important pour nous. Nous, on n'entend pas. On est révolté par rapport à cette situation. Chacun se mûre. Mais dans le fond, là, après avoir écouté à fin d'histoire, je leur dis, la seule chose qu'on retient, c'est que c'est une guerre de positionnement, champion. Ouais. C'est une guerre de positionnement. Le président Laurent Gbagbo était empêché quelque peu de gérer son parti politique. Chacun se positionne. Ouais. David, toi et moi, là, si nous sommes les héritiers du président Laurent Gbagbo, il laisse la maison et puis il s'en va pour un voyage. Va prendre la télécommande, c'est normal. Qui va gérer la télévision, c'est normal. C'est dans ça que les gens sont. Ouais, ouais. Mais dans ça, là, donnez-nous maintenant les vraies raisons. Vous pensez pas que l'autre est diabolique, l'autre est diabolique. On a vu hier, si Afrique Média, les clés en Côte d'Ivoire, vous avez entendu les noms hier. Ouais. Vous avez entendu les noms hier. Mais, Black Modo, moi, j'ai suivi un peu où j'ai tenté de présenter les traitements. Mais il y a un truc, au fait, moi, je me suis dit, c'est pas trop crédible parce que moi, j'ai été acteur. Côté militaire, j'ai été acteur. Bon, quand ils ont indexé l'autre, là, je sais pas, ils ont indexé Kassaraté, ils ont indexé Dété Loto. Mais Dété Loto, il faut dire, Dété Loto, allez témoigner à la haie. Mais moi, quand j'ai écrit son témoignage, j'ai dit, mais le gars ne peut pas enfoncer Gbagbo parce que moi, il sait ce qui s'est passé. Moi, il sait ce qui s'est passé pendant la crise. Donc, en fait, il y a aussi les contours du bois sacré. Voilà. Donc, mais eux, comme c'est des gens qui ne connaissent pas, bon, eux, c'est du superflu. Sinon, au fond, moi, il sait ce qui s'est passé. Voilà. Et je suis tombé des nues quand les mêmes Afrique Média ont dit non que Désiré Tagro était encore une top chez Gbagbo. Moi, je suis tombé des nues. Tu vois, bon, si c'est bon, on continue. C'est juste une parenthèse. Voilà. En gros, c'est pour te dire que, de toutes les façons, il y a des parts de vérité que nous, on ne maîtrise pas. Okay? Mm-hmm. Donc, il est important aujourd'hui que les hommes politiques sachent simplement que les choses évoluent et que l'ivoirien lambda et tout, et quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un à qui il faut expliquer quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique c'est qu'une ne pas être dans la pédagogie. Ah ouais. Vous ne pouvez pas. Le problème de Hakim Guessant, c'est quoi? C'est que très tôt, il a pris son petit camp, il n'a pas expliqué aux autres sa procédure, il a voulu prendre un village et tout, à 160 degrés, avec lui ses éléments et tout, pour pouvoir gérer le truc. Mais la même chose là, l'autre côté aussi, les Stéphane qui prennent tout en fait, c'est la même chose. C'est tous, ils sont tous bordéliques. Chacun a fait diarrhée et tout pour donner aux citoyens. Ok? Donc, ne pensez pas que, oui, ils sont partis, nos amis sont partis. C'est quand même d'envoyer quelqu'un avec eux. Personne n'a envoyé quelqu'un avec eux. Voilà. Nous, on ne pouvait pas. C'est pas faire des vidéos. Ok? Moi, le problème n'est pas faire des vidéos pour dire aux internautes, nous, on y va. Et puis, moi, le voit qui revient à la maison. Et puis, il ne pas compte, on a dit, ça va pas quelque part. Ouais, ça va quelque part. Alors, Johnny est parti au RSDP aujourd'hui, vous allez voir. Rien. Il ne mange pas à midi, là. Il va avoir un moyen en Finlande. Ah ouais. Le deux, il va pas venir ici. Ah non. Donc, il faut arrêter un peu. Ce qui est important qu'on devait savoir, c'est que quand vous avez des gens qui sont engagés pour vous, qui ne changent pas de camp, qui sont sereins, qui sont sous leur position, qui ne demandent rien, qui ne sont pas payés, c'est trop facile et tout. Quand il y a quelque chose de dit, oh, oui, c'est... on aurait été traite, on n'aurait pas prévenu qu'on va là-bas. On n'aurait pas voulu que ce soit un live. Vous savez la portée d'un live. La portée d'un live, là, ça veut dire que même les questions que nous, on va poser, là, à pied de sa femme, ça, on est grave freestyle. Ben ouais. Vous avez vu le monsieur, il est en train de trembler. Vous voyez que ses pieds, il est en train. Vous avez venu dire, ouais. Maintenant, oui, Moto, pourquoi Moto l'a laissé parler? Pourquoi Moto n'a pas connu? Vous voyez, moi, je suis boxeur. Quand on est boxeur, même, il y a des règles, on ne sait pas. Faut laisser ceux-là. Eux, ils sont là pour pousser les gens à la faute. Mais quand le pire arrive, ils ne peuvent pas assumer. C'est eux qui ont dit, ah, il aurait dû faire ça. Faut laisser ceux-là. Oui, il est intelligent, mais pourquoi il n'a fait pas là? C'est pas ça. On est parti poser des questions. Malheureusement, je peux vous dire, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'avait pas une personne qui
qui, centralement et tout, allait poser les questions à Afin Nguessan. On n'avait pas une personne et tout qui allait rentrer dans un débat continuel avec lui. Et tout le monde, l'occasion était tellement intéressante que chacun avait envie de poser une question et tout à Afin Nguessan. Donc du coup, ça nous a perdu le temps, certains avec des questions qui n'étaient pas pertinentes, mais il fallait quand même que chacun parle. C'est aussi ça la démocratie. Les gens se sont déplacés parce qu'ils estiment que les questions sont importantes. Mais est-ce que les questions sont importantes par rapport à ce que les Ivoiriens attendent? Par rapport à ce que les Ivoiriens veulent comprendre. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et vous-même, vous voyez que le caractère de la chose est informel. Ça veut dire qu'on ne s'est même pas assis auparavant, on n'a pas fait de réunion, on dit voilà. Donc, comprenez quand même que le résultat, là, il est positif. Mais maintenant, la seule chose qui a été dit aujourd'hui aux gens, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous, les Ivoiriens, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes ingrats, en fait? Pourquoi vous voulez que tout tourne autour de vous? Pourquoi? Quand on n'est pas dans une situation, là, ça dit que si ce n'est pas vous, ça dit que c'est mauvais. Non, ouais. Quand vous êtes dedans, là c'est bon. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître la valeur des choses? Tu peux marcher un ami, il est bien habillé, tu lui dis champion, franchement c'est bien habillé. Et puis ton ami fait une intervention, et puis tu l'appelles, tu dis ah vraiment hier là ton intervention c'était bien. Mais vous êtes capable de le faire. Non, ouais. Ça, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'égoïsme, le nombrilisme. Disons la Bible d'Arafat, il a dit le numéro 1. Vous tous les chanteurs, ils ont refusé. Le monsieur est mort et ça va lui donner le numéro 1. Contre l'île, côte. C'est comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Il faut se bouger, il faut reconnaître qui a de la valeur, il faut reconnaître qui a du talent. Moi, je suis parti là-bas et tout pour devenir affidé. On n'a pas de temps. Si même, pas bon, de... même si tu es affidé, tu es libre, tu es ivoirien. Affidé, c'est pas un gagné. On n'est pas des FPI, au temps du président Laurent Gbagbo. Ouais. On n'est pas des FPI. C'est maintenant où le FPI est mietté et tout, comme poudre le chocolat qu'on met dans la peine, c'est maintenant qu'on va aller se mettre dedans. Non, ouais. Si Biko attend leur place de ministre là-bas, combien de personnes qui attendent leur place? vous avez vu nous passer là? Les alertes d'Athènes, la veut tuer tout le monde tellement ils veulent poste. Un coin comme ça, pas de. Vous allez rentrer dans un panier de crabes? Personne ne va rentrer dans ce panier de crabes là. Mais nous, on dit simplement que si dans ce panier de crabes là, on réussit à casser les pèses des crabes là, les Ivoiriens vont comprendre mieux. Donc, champion, la clé, c'est dû au. Alors, ensemble, champion. Simplement aux gens, non? Mais quand c'est nous, il y a une certaine vérité et tout que chacun doit comprendre. Ah ouais. Les gens qui sont au bord de vous contre les initiatives sont les gens qui ne veulent pas que la vérité émerge. Les gens qui empêchent cette forme d'initiative, ils savent dans quoi ils sont. Ah ouais. C'est un bon moment que les gens ont continué à voir. Toi et moi, on a été les premiers ici à dire, toi c'est trop, quand on a fait des vidéos, tout le monde nous a attaqué. Ah ouais. Tout le monde s'est attaqué, on a été les premiers à dire ça. Ah ouais. Au nom de quoi, vous allez prendre le président Laurent Gbagbo d'avoir gâché. Oui, le président Laurent Gbagbo va venir, il fait ses courses. Il fait ses courses, on ne le voit pas. Ça veut dire vous devez faire courses, on le voit. Non, mais président Laurent Gbagbo, c'est pas ça, mais ça, on savait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le même nom. Donc, c'est débile ce qu'on dit. On dit simplement, quand on dit que le président Laurent Gbagbo, montrez-nous l'entrée jouer au tennis ou bien l'entrée jouer au tennis de table, on va savoir que le président Laurent Gbagbo va bien. Quelqu'un, c'est toute la vie des gens. Les gens sont encore au Ghana, dans les camps de réfugiés. On m'appelle Moudo. Il y a un petit Ivoirien de 8 ans qui a été piqué, mordu par un serpent au Ghana. Comment l'enterrer? Pour enterrer un Ivoirien, un étranger au Ghana, il faut demander la permission au chef traditionnel. Donc, il faut payer les boissons traditionnelles. Vous savez combien de Western Union et tout, vous savez combien de fois on cotise des sous pour aider les réfugiés dans les camps de réfugiés? C'est notre rôle. Est-ce que c'est notre rôle? Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont en train de galérer au Libéria, en Togo, partout? Vous ne voyez pas nos frères mourir dans la Méditerranée? Vous ne voyez pas qu'il y a urgence? Quand on parle de Didier Drogba, vous bâchez. Oui, mais parce que nous, on n'a pas plus de sous que Didier Drogba. Parce qu'on n'a pas plus de sous que tous ces stars-là. Donc, nous, on estime que si à un moment donné, là, ils comprennent les réalités du peuple et qu'ils comprennent que le peuple souffre, il faut venir nous soulager. Mais si toi, tu te lèves pas du droit, tu vas au Ghana. Les seuls fois que tu vas au Ghana, c'est pour signer un contrat et tout dans les minéraux d'or. Mais il faut taper un crochet pour aller voir un peu dans l'état de réfugiés. Ou dire ça, vous criez, vous criez. C'est des réalités, champion. C'est pas cette façon de vivre-là. Voilà, si ceux étaient salués par rien, trop pété les plombs. Ah, ensemble. Ok. C'est comme Alain Guédé de Toulouse. Voilà. Donc cette vidéo avait pour but de poser mon commentaire sur la rencontre qui a eu lieu entre Afin Nguessan et certains CTB activistes pour Gbagbo. Moi, mon problème, c'est que j'ai fait cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens s'offusquer. Parce que certains CTB activistes sont allés vers Afin Nguessan pour s'enquérir de ces nouvelles. Moi, je dis à ces personnes qu'on ne fait pas la politique comme ça. La politique, c'est là de s'asseoir et de discuter. Et quand il réclame pour Gbagbo, il faut être dans cette idéologie. Gbagbo a toujours prôné pour le Asian et du Sultan. Mais pourquoi il y a certains qui se disent, ah, ils sont pour Gbagbo,
Eux, ils sont dans une posture de belligérance et dans une posture de radicalisme. Donc, moi, je déplore ça. Voilà. Et comme l'a dit All Black Modo, l'acte que Afin Guessan a posé est salutaire. C'est-à-dire qu'il a brisé le mythe. Parce qu'avant, nous, on prenait les présidents des partis politiques comme des petits dieux qu'on ne pouvait pas approcher. Mais lui, il s'est mis dans une humilité et est venu essuyer des questions des gens même qui ne sont même pas journalistes. C'est-à-dire des gens, des acteurs de la société civile. Et ça, c'est salutaire, ça. Voilà, ça, c'est une manière de aussi révolutionner la politique et de briser le mythe. Parce que ici, là, en Europe, ça se passe, mais en Côte d'Ivoire, tu as même voir un citoyen lambda aller poser des questions à un chef de parti politique qui n'est pas journaliste. Mais tu n'es pas journaliste, tu allais le voir où ça. Voilà, donc, je pense que l'acte Afi a posé est salutaire. Et l'acte que nos amis aussi ont posé aussi est salutaire. C'est ça la politique. Voilà. Et chacun a le libre, a le droit d'aller sentir des nouvelles de qui il veut. Moi, par exemple, si je refais une conférence de presse que je vais aller l'écouter, et si je vais aller l'écouter, ce n'est pas pour autant, on va dire que c'est pour ce jour. Non. C'est libre d'écouter qui il veut. Parce que s'il voit, c'est comme ça. Parce qu'ils sont appelés à nous diriger. Moi, je ne veux pas être dirigé par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Il faut qu'ils soumettent des questions à cette personne-là. Mais nous, ce n'est pas le cas. D'autres tendances, eux, ils sont ouverts au dialogue. Et à d'autres tendances, eux, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Il faut changer, parce que c'est 2010, ce n'est pas 2019. Voilà, les activistes qui sont là. Et Afi a montré que ouais, les cyberactivistes ont un poids. Parce que si on n'avait pas de poids, il n'est pas venu se soumettre aux questions de nos amis. Voilà. Donc, c'était ma vidéo de ce jour. Sur ce, bonne journée à vous et bon week-end à tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Ensemble. Ciao, ciao.